Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, pas d'éphéméride puisque la vidéo sera publiée pendant mon absence. Dans cette vidéo, on va voir comment relancer Mathé sans se déconnecter et se reconnecter. Et oui, je vais vous montrer un cas concret. Par exemple, hop, vous personnalisez votre environnement de bureau Mathé, vous écoutez de la musique, vous avez des tas de trucs lancés sur votre machine. Donc là, voilà, je vais changer. Je me dis, tiens, le flat, j'en ai marre. Je reviens à. Je vais revenir à Blumenta. Voilà. Et puis, je vais mettre mes icônes. Tiens, j'ai envie de réutiliser Adwaita. Voilà. Je change mon thème. Donc ici, ma barre est blanche. Mais vous voyez ici l'icône de Redshift. Le thème d'icône, c'est pas pris en compte tout de suite. Pareil pour le son. Par contre, pareil pour la météo. Par contre, le réseau. Tout ce qui est réseau, microphone, ça a pris en compte. Alors, comment régler ce souci? Eh bien, pour régler ce souci, vous devez vous déconnecter de Mathé et vous reconnecter. Sauf que si vous faites plein de trucs, vous n'avez pas forcément envie de vous déconnecter et de vous reconnecter. Eh bien, voilà comment relancer Mathé sans se déconnecter. Petit conseil, ne faites pas ça en console parce que si vous le faites en console, dès que vous allez fermer la console qui sera précédemment ouverte, eh ben, votre Mathé disparaîtra. Donc vous faites Alt F2, faites ça en graphique. Et ici, on a la fenêtre Démarrer une application. Et vous démarrez Mathé Panel, mais avec l'option tiret tiret Replace, qui va avoir pour but de recharger le panel Mathé. Donc là, mes icônes en bas, bon, ils sont OK. Et là, vous voyez, avant que je relance, Redshift, le son et la météo sont comme ça. Je lance Mathé Panel Replace. Et hop, le panneau s'en va et revient. Et nos icônes de son de Redshift ont pris la disposition des icônes qu'on avait demandé. Donc là, voilà. C'était la petite astuce. Donc là, je remets mon thème Arc Darker et mes icônes Papyrus Dark. Voilà. Et donc là, on voit que pareil, le microphone, le son, Redshift sont encore avec l'ancien thème d'icône. Et ben on fait pareil, Alt F2, panel, tire tiret, non, Mathé panel, tire tiret replace, et hop, on recharge Mathé, et voilà, les applications qui étaient ouvertes restent ouvertes, c'est nickel. À noter qu'avec ça, on ne recharge pas le compositeur de fenêtre, hein. C'est-à-dire Marco ou Compiz, suivant ce que vous utilisez, on recharge juste Mathé. Mais ça évite de se déconnecter et de se reconnecter pour prendre en compte le nouveau thème d'icône ou l'éventuelle personnalisation que vous faites de Mathé qui pourrait bugger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!